Le médium était concentré. L'assistance était convulsée. La table soudain a remué. Et l'esprit frappeur a frappé. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui a fait ce bruit-là. Non, l'esprit n'est pas encore là. Unissons nos fluides et recommençons nos ébats que le chat gâcha. Puis un souffle étrange a passé. Une ombre au mur s'est profilée. L'assistant s'est mise à trembler. Mais le médium a déclaré: mais non, voyons, non. Ce n'est le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est le petit bout de la queue du chat qui passait par là. Non, l'esprit n'est pas encore là. Réunissons nos fluides et recommençons nos ébats que le chat gâcha. Alors en rond, on se remit. Et puis on attendit l'esprit. Quand une dame poussa un cri en disant: ouh, ça y est, je le sens, c'est lui. Mais non, voyons. Et ben alors, qu'est-ce que c'est? Ce n'est le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est le petit bout de la queue du chat. Que pensiez-vous là? Non, l'esprit n'aurait pas fait ça. Vous n'avez pas de fluide. Le médium alors se fâcha et chassa le chat. Une fois dit, miaou, me voilà. Quelle drôle de surprise, car l'esprit s'était caché là, dans la queue, dans la queue, dans la queue, dans la queue, dans la queue.